sais qu'on a eu beaucoup de courriers, les gens adorent. Enfin, du courrier, des mails. Je ne quitte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un effet spécial. Vas-y. Bon, tu te mets là-bas, là, 5 mètres. Et? T'as pas de ballon, là? Non. Alors, attends, je recule. Stop! T'as pas de ballon? Non. Ben là, t'as un ballon. Ah oui. C'est effet spécial. Bonjour à tous. Au sommaire de ce L1 confidentiel, on va évoquer le naming. Un concept... On va évoquer le naming, un concept où il est question de donner un nom et justement quel nom pour le futur stade de Bordeaux qui sort de terre. On va évoquer également le coaching. Le coaching, un concept où il est question de Didier Deschamps et des Bleus. Didier Deschamps qui apparemment fait briller tout ce qu'il touche, il transforme tout en or, c'est fabuleux. Et puis on va évoquer aussi le comebacking, c'est un concept où il est question de retour. Comebacking. Retour possible de Franck Ribéry chez les Bleus, justement. Mais d'abord, le quiz. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel nom pour le futur stade de Bordeaux? Jusqu'ici, tu suis. L'occasion donc pour moi de te faire ce quiz autour du thème célébrité ou quartier. Je m'explique. Souvent, les stades ont un nom soit de célébrité, soit de quartier. D'accord. Ok. Ok. Alors c'est parti, est-ce que tu es prêt? I'm ready. Bon, on va commencer tranquillou, d'accord? Le stade de Roux-de-Roux à Guingamp. Un quartier. Bonne réponse. Le stade de Gerland à Lyon. Une personne. Célébrité. Non, un quartier. Oh, pourtant j'aurais cru. Hein. Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Ah, lui c'est le... Réfléchis. C'est... Attends, tu sais c'est que t'as... Célébrité, c'est le père de Daniel. De Daniel. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en alla l'hiver, l'été. Le petit matin frileux, mon vieux. Alors soyons francs, pour l'instant rien n'a filtré sur le futur nom du stade au niveau de la présidence du club, mais en coulisses on s'active, on réfléchit, et notamment chez les ultras des Girondins de Bordeaux. L1 confidentiel a encore une fois placé une caméra top secret, document exclusif. Vous allez voir, le nom est en train de mûrir. Quel est le nom proposé? Moi j'aime bien le stade des Gigi, hein. Moi je kiffe plus 33 stadiums. Rien d'autre? Bon écoute, vas-y, toi, on t'écoute, propose. Moi je dirais le stade de la Win. Enfin là il faut que tu parles un petit peu plus fort, tu vois, sinon on n'entend pas. Non, tu vois, on comprend pas. Le stade de la Win, monsieur. Enfin, je peux pas parler plus fort, quoi. Mais parle plus fort, je t'assure, on n'entend rien. Le stade de la Win, quoi. Parle plus fort, on comprend pas. Parle plus fort. Exprime-toi, c'est un nom de stade qu'on veut, nous. Tu comprends? C'est vrai qu'on comprend pas. Elle voulait dire le stade de la Win. Moi, j'ai pensé au Zlatan Arena. S'il vous plaît, silence plateau, les comédiens sont prêts. Alors, attends, on la refait. Bon, là, je suis prêt, je te fais un nouvel effet spécial. Vas-y, explique, dis-moi tout. Bon, là, tu vois les buts? Ouais. Bon, bah, t'y es pas. Ah, non. Bon. Bah, progressivement... Ouais. Tu y es. Ah, je me sens transporté vers une autre entité géographique. Ah, ouais, trop bien. Ah, ouais. Alors en ce moment, il est un entraîneur zen. C'est Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, surfe encore sur la vague du mondial. Il travaille vraiment en toute discrétion, avec calme, à son grand projet, faire des Bleus, l'équipe qui va battre tout le monde bientôt. Une mission qui lui vaut vraiment d'avoir toute l'attitude au niveau de la Fédération française, comme l'atteste cette rencontre avec son président, Noël Le Graët. Attention, encore une fois, un document exclusif. Moi je vous préviens, Noël, je vais pas me pencher pour boire, moi. J'ai des adresses pour les fontaines à eau. Écoutez, Didier, vous n'allez pas tout révolutionner à la Fédé, non? Hein, comprenez? Moi, quand j'ai soif, je bois, vous comprenez? En plus, avec votre système, on peut même pas avoir d'eau pétillante! Et alors, c'est grave? Ben c'est grave, non, c'est pas grave. Mais moi, j'ai jamais bu au robinet. Ni à Nantes, ni à la Juve, ni à Marseille. J'ai horreur de boire au robinet. Même quand on me disait, vas-y Didier, bois au robinet.
mais je buvais pas. Je peux pas croire ça, Didier. Vous n'avez jamais bu au robinet? Du genre, j'ai soif, il n'y a qu'un robinet, je bois. C'est dingue. Ben non. Et Noël? Noël? Et boire la bouteille au goulot, vous aimez? Écoutez, Didier, vous m'avez convaincu. La semaine prochaine, j'achèterai une fontaine à eau. Ça vous va, ça? Une fontaine à eau pétillante, même s'il y a... Même avec du jus d'orange. Voilà, des fontaines partout, des fontaines à la fêlée. Ah ouais, mais alors une eau sans nitrate, hein, une eau bio. Quand je pense que vous n'avez jamais bu au robinet. Donc là, c'est la chronique, tu sais, sur notre star. Alors on fait, c'est quoi? Ah, tu veux parler de Zlatan? Ben oui, comment va Zed? À chaque fois, on donne des nouvelles. Alors je m'installe où, là? Comment c'est vrai, ça? Comment il va? Ben allez, on va faire la chronique. Comment on fait, là? Bon, ben là, tu vois, il y a deux bonhommes, là-bas. Là, il y a deux gars. Ouais. Eh ben non, il y en a trois. Allez, vas-y. Alors, c'est une chronique habituelle. Je sais que vous êtes très attachés à prendre des nouvelles de notre star, Zlatan. Zlatan! Eh bien, comment va-t-il? On va voir tout de suite s'en apercevoir. Ça va pas trop bien, je crois. C'est parti, image. On prend l'apéro, Zlatan! Eh, hey, l'apéro, Zlatan! Je me prends un petit jaune. Comme la Suède. Oui, Zlatan, une question à l'inconfidentiel, Girondin TV. Après le talon, il semble que vous soyez vraiment délicatesse avec votre hanche. Vous confirmez ou c'est une rumeur sortie de nulle part? Eh ben dis donc, ben la hanche, c'est la hanche, quoi. Je suis pas comme un vieux berger allemand avec le train arrière qui s'efface, mais c'est pas loin, hein. Comme disait Adamo, laisse. Laisse tes mains sur mes hanches et surtout ne te retourne pas. Tu veux ma hanche, Zlatan? Alors je fais quoi là? Là, bien écoute, tu parles à ton jumeau en face là. Je me mets comme ça alors. Voilà, tu lui parles comme ça là, regarde-le là, il est content. Ah, c'est incroyable! Ah ouais? Ah, il est content, hein? Ah, ben ouais, dis donc, mais c'est un truc de fou, ça! Et il te ressemble un peu, je trouve! Mais carrément, même! Allez, feu! Troisième chapitre de ce L1 confidentiel, ce qui pourrait être l'information capitale des prochaines semaines, des prochains mois, le retour possible de Franck Ribéry en équipe de France. Apparemment, la rumeur circule, Franck Ribéry qui négocierait en ce moment même avec le staff du Bayern pour être un petit peu plus libre. Attention, document exclusif. Ah, c'est fou, ça, hein? Il est content, hein? C'est le multi-moi, ça. C'est ça, c'est le multi-toi. Viens voir, mon petit, regarde. Regarde, Frankie. Depuis que tu es parti, la pelouse du Stade de France, elle est gorgée d'eau. Des cèpes. Ça gauche, mon petit Frankie, depuis que tu es plus là. Alors, mon Frankie. Tu parles que tu reviens, Frankie, c'est vrai? Mais t'es vieux ou pas? Allez, pour se dire au revoir après ce numéro richissime de L1 Confidentiel, ouais. T'as vu, on a vraiment abordé tous les sujets. Tous les sujets. Le célébrissime jeu de la barre. Alors on va récapituler, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut donc un ballon. Un ballon. Une barre. Et des chaussures non homologuées pour la pratique sportive. Et c'est vrai que là, tu t'es quand même bien... Alors là, elles sont vraiment pas du tout homologuées. Ah, c'est pas pointu, mais c'est deux villes. Donc le principe, tu montres le ballon, s'il te plaît. Et tu tapes avec ta chaussure sur la barre. Et si jamais... Et je gagne quoi? Tu deviens président du Bayern de Munich. Quoi? À toi la Bavière, tu sais les petits shorts en cuir et tout ça. Wow! Eh oui! À moi le Bayern!